Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, je vous retrouve toujours en forêt et cette fois-ci sur le bord véritablement de la forêt donc d'Écouves du côté nord-ouest. Avec ici sur le côté, vous devez le voir un peu plus, voilà, ici de ce côté-là, un petit monticule, puisqu'en fait ça symbolise la limite même de la forêt d'Écouves au nord-ouest. Alors je me suis rendu ici dans un lieu que je ne connais pas, c'est la première fois que je viens ici. Je l'avais repéré sur Google Maps, et puis j'avais remarqué qu'il y avait des concrétions de roches un petit peu partout étalées. Et donc j'avais décidé de venir ici, notamment pour observer, pourquoi pas, de nouvelles espèces de lichens, ce que je n'ai pas encore trouvé. Donc il y a des thalles, mais il n'y a pas d'autres espèces que je connais moi, il y en a peut-être que je ne connais pas sans doute. Mais en tout cas, de celles que je recherche, et que je sais qu'elles peuvent être présentes ici, je n'en ai pas encore trouvé. Alors je vais continuer de progresser plus haut sur le plateau, un plateau ou légèrement plateau, pour aller voir ça. Donc bien sûr, j'ai emmené une carte. D'ailleurs, j'en reparlerai, je sais, vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à ça, quelle carte utiliser, comment s'orienter avec une boussole, et choses comme ça. Alors je reviens vite fait là-dessus en aparté. Bien sûr, une boussole et une carte. J'insiste toujours sur ce point-là, mais il faut toujours que vous ayez ça avec vous, surtout si vous vous rendez dans des lieux que vous ne connaissez pas, et notamment comme ici. Alors bon, ok, il y a le téléphone portable, le GPS, bon ok, mais quand même. Et puis en plus, ça permet, même si on peut le faire avec le GPS, il y a certaines applications sur lesquelles on peut le faire, de mettre des points d'intérêt. Mais je trouve que, en tout cas pour moi, je suis un peu de la vieille école et j'aime bien avoir la carte et la boussole. Alors, vous avez été nombreux à me demander de vous faire un cours par rapport à ça, comment s'orienter avec une boussole. Bon, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus que ce qui est déjà démontré, très justement par d'autres d'ailleurs. Donc après, sans rentrer dans les subtilités avec les déclinaisons entre le nord géographique et le nord magnétique, puisque c'est pas vraiment la même chose, mais je vous invite quand même, je vais vous laisser des liens puis pour vous inviter à aller voir ce que d'autres ont proposé là-dessus, qui est fort à propos, et je vois pas pourquoi je vous ferai un truc là-dessus, alors qu'il y en a qui le font déjà très très bien. Donc comme vous le savez, la chaîne c'est une chaîne de partage, donc j'aime bien toujours partager, donc je préfère encore laisser des confrères qui ont pu réaliser ça, plutôt que de m'atteler à le faire dans un contexte qui n'apportera pas grand chose de plus. Donc du coup je m'en vais encore là-haut pour vous reparler un petit peu de matériel, vous aurez l'occasion de voir ça avec la petite pochette en question. J'avais dit que je reviendrais dessus, donc je vais le faire. Et puis, on aura l'occasion de revenir aussi sur du matériel pour mettre des cartes, puisque je compte le faire également. Et puis alors, si j'ai le temps, je me rendrai donc de l'autre côté, là-bas. Si vraiment j'ai le temps. Mais je pense que ça va être compliqué, parce que déjà, rien que l'ascension m'a pris plus d'une heure pour venir ici. C'est très compliqué, c'est très humide, il y a des rochers partout. Certains sont complètement occultés par de la mousse. Il y a des ronces. Bref, la progression n'est pas évidente. En plus, la météo avait annoncé un temps clément. Il devait y avoir du soleil. Enfin voilà, ça devait être beau aujourd'hui. Et puis en fait, rien du tout. J'ai même essuyé une ou deux averses tout à l'heure. Tout ça, plus les conditions météorologiques qui ne sont pas forcément très clémentes, la progression est d'autant plus lente. Alors j'ai eu l'occasion de voir des chevreuils, j'en ai croisé, qui galopaient grandement. On se demande comment ils font, enfin ils sont habitués, mais ici en plein milieu des rochers, tels des cabris, c'était quand même superbe à voir. Alors j'ai pas eu l'occasion de les prendre parce que le temps de dégainer l'appareil photo qui était sur l'épaule, etc., ils étaient déjà très loin. C'est toujours le même problème avec les animaux. Mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion, en tout cas je l'espère, d'en revoir plus loin. Donc voilà, donc c'était aussi pour vous montrer tout ça. Et de vous dire que il faut faire attention, et puis également, alors sans être moraliste, je sais qu'il y en a certains qui peuvent trouver éventuellement certains de mes discours un peu moralistes, c'est pas le problème, c'est jamais ça en fait, c'est juste de vous inviter à la plus grande prudence quand vous vous rendez en forêt, et de prévenir aussi quelqu'un des endroits où vous vous rendez, en tout cas d'essayer de circonscrire une zone géographique dans laquelle vous allez aller, de manière à ce que si jamais vous arrive un problème, passez un certain temps de pouvoir donner l'alerte et d'envoyer des secours. Parce que franchement, comme ici, si je devais me fouler une cheville, voire même pire, je pense sincèrement que ce serait très 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 compliqué pour moi
de redescendre. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on monte comme ça avec une déclinaison qui est aux alentours de 30%, ce qui est déjà beaucoup quand même, avec des rochers comme ça, c'est limite si on n'est pas obligé d'y mettre les mains quand même pour crapahuter. Ce qui veut dire que dans l'autre sens, quand il va falloir descendre, je pense que ça va être encore plus compliqué. Parce que monter, c'est une chose, descendre, c'en est une autre. Donc, si jamais il devait m'arriver malheur, je serais bien content qu'il y ait quelqu'un qui soit au courant de l'endroit où je me trouve, de manière à pouvoir alerter. Donc faites-le, ne l'oubliez pas, pensez-y à ça. Voilà. Écoutez, je vous retrouve lorsqu'on sera arrivé là-haut. Je vous présente donc aujourd'hui cette pochette. Alors c'est la marque Viper Tactical. Donc je vous en avais déjà parlé il y a déjà un petit moment de Viper. Je vous avais proposé différents produits, des sacs, mais pas que. Et aujourd'hui je vous parle de ceci parce que c'est quand même digne d'intérêt. Alors à la base c'est une pouch phone. Voilà, donc entendez par là une pochette normalement pour y glisser un téléphone portable. Alors on peut toujours éventuellement le faire à condition que le téléphone soit pas trop large. Parce qu'en fait il y a deux positions de velcro, une haute et une basse. Donc on peut éventuellement en fonction de la longueur des téléphones placer le rabat par-dessus. Ceci étant, les téléphones actuels, ils sont de plus en plus larges et de plus en plus longs et c'est pas vraiment adapté. Par contre, et c'est le cas de pas mal de pochettes, on peut les détourner de leur usage premier. Et c'est le cas donc pour celle-là. Alors franchement, elle est pas très chère. Je vais bien sûr, comme toujours, vous laisser le lien pour que vous puissiez aller voir. Et c'est surtout qu'on va pouvoir se constituer tout un tas d'éléments qu'on va vouloir emporter sur soi. Et notamment parce que cette pochette possède donc une pâte assez rigide qui est compatible molle, bien entendu, puisqu'on peut l'associer sur un sac. Mais on peut également, pourquoi pas, la mettre directement accrochée à la ceinture. Il y a également la présence d'un D-ring, donc ce qui veut dire qu'on pourra la suspendre au besoin. Donc ça existe dans différents coloris. Et au niveau de la résistance, on est sur du nylon donc balistique. Alors c'est pas du 1000 deniers, on est sur du 600 deniers à peu près. Mais bon, ça n'en reste pas moins que c'est quand même très solide. Y compris d'ailleurs avec le filet mèche, on pourrait s'attendre à quelque chose de pas forcément très solide. Mais sincèrement, c'est quand même assez costaud. Et du coup, on peut se constituer un kit, pourquoi pas, minimaliste, à pouvoir porter sur soi, et puis de manière à pouvoir laisser le sac éventuellement à un endroit, ou alors simplement partir uniquement avec ça. Et je pense notamment, de manière à rebondir un petit peu sur ce dont on avait parlé précédemment, donc moi j'y glisse ceci, donc ça c'est un couteau Victorinox, donc un certain nombre d'entre vous l'ont reconnu, c'est le Trailmaster, dans la version camouflage. Alors l'intérêt de ce genre de couteau, c'est que au niveau encombrement, c'est quand même relativement réduit. Il y a une lame avec serration, bien sûr, à l'extrémité d'abord de la lame et puis lisse de ce côté-là. C'est fermé, ça permet le blocage par un liner lock qui est inversé. On a également la présence d'un tournevis cruciforme, un poinçon, tournevis plat, tournevis plat également, mais plus fin avec un ouvre-boîte. Et puis également une scie à son extrémité. Alors même si elle est assez fine, mais on aura l'occasion d'en reparler hein, de l'efficacité de ce type de scie qui est vraiment sincèrement très efficace. On aura l'occasion d'en reparler avec d'autres modèles. Et du coup c'est un couteau qui est en 111 mm, donc qui est quand même relativement réduit, qui n'est pas très lourd. Alors bien sûr il y a toujours cure-dent et pince à l'extrémité pour pince à écharde. Donc c'est quelque chose qui peut se glisser aisément dans cette pochette là, avec laquelle on va pouvoir éventuellement associer, pour ceux qui le souhaitent, un fire steel, un petit peu de paracorde, une trousse, mini trousse bobologique avec des antalgiques et des choses comme ça dedans, vraiment le minimum, un système avec, pourquoi pas, de la gaz. Alors là c'est en fait c'est une compresse qui va permettre de parer au problème et puis en cas de coupure, mais aussi pourquoi pas en départ de feu. Et puis également un ancien petit container tout simplement qui est recyclé, dans lequel j'ai mis à l'intérieur de l'allume-feu et qui va donc permettre de pouvoir être utilisé pour le départ de feu. Et puis bien sûr la sécurité avec une couverture de survie. Donc finalement on y met quand même pas mal de choses et on va dire pratiquement l'essentiel. Alors on pourra changer pour ceux qui le préfèrent le Fire Steel
par un briquet ou par tout autre élément pour produire du feu, pourquoi pas. Mais ce qui veut dire qu'on a un petit combo ultra minimaliste en permanence sur soi. Alors ça peut rentrer dans la poche cargo d'un pantalon, bien sûr. Ça peut également être, comme je l'ai dit, associé avec un D-ring. Donc il suffit de mettre un mousqueton et on peut, pourquoi pas, le mettre à la ceinture ou accrocher sur le côté de son sac, pourquoi pas. On peut aussi, bien sûr, le mettre à la ceinture, comme je l'ai dit, avec le passant à l'arrière, qui est compatible molle. Bref, on peut se constituer tout un tas d'éléments de ça, surtout qu'en plus, c'est différents coloris, ça existe en noir, tout simplement. Donc pourquoi pas se constituer un minimum de décès avec ça, et surtout pour le prix, parce qu'on est franchement sur quelque chose qui est relativement quand même assez abordable. Enfin, franchement, c'est assez abordable. Et je trouve que ça rend quand même pas mal de services. Donc je voulais vous en parler parce que on était revenu sur le principe des petites pochettes. Je vous avais montré une des pochettes qui était aussi destinée à l'emport à la fois des papiers d'identité, des choses comme ça, mais également du téléphone portable et que j'avais détourné pour pouvoir faire un kit feu complet. Là, c'est en fait c'est le même principe. Donc on n'est pas obligé non plus d'aller chercher des pochettes très chères. Sur lesquels on va mettre quand même beaucoup d'argent, entre 30 et 40 euros suivant les modèles, alors que finalement, avec quelque chose qui vaut moins de 20 euros, on va avoir la possibilité de se constituer quand même pas mal de choses. Donc voilà, c'était une histoire de vous dire de penser à ça. La petite pouch phone de chez Viper Tactical, qui est quand même très très intéressante, et qu'on peut donc bien sûr détourner à différents usages. Voilà, je vais vous laisser en compagnie de quelques vidéos comme toujours prises ici ou là. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien et bien sûr, carpe diem. Salut !All the words you say to her.
Do you wonder where he'd be if he'd ever dared to daydream? Oh, I wonder where I'd be if it hadn't